Monsieur, moi, on est au bord d'une rivière, ok? Si tu me sauves lui, moi je tombe. Si tu me sauves moi, lui il tombe. Tu choisis qui? Je suis obligée de répondre. Quoi? Je suis obligée de répondre. Yo tout le monde! Pourquoi c'est juste moi qui le dis? Dis aussi. Okay. Yo tout le monde! Oh! Looper! Yo tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne TV Genie. Bon, aujourd'hui on va faire un qui des deux frères tu choisirais. Donc là, je vais poser des questions à ma soeur et elle va dire qui des deux frères va choisir, lui ou moi, ok? Là, jusqu'à la fin, like, abonne-toi et go! Dis de like. Like la vidéo et abonnez-vous. Go! On vous a forcé ou quoi après? Ok, abonnez-vous! Bon, on y va. Bon, Trésor, première question, ok? Qui de nous deux tu choisirais pour garder ton enfant? Si dans le futur, t'en as un, tu vois? Celui-là, c'est sûr, celui-là. Pourquoi? Toi, tu sais, je ne te fais pas confiance. Attends, quand il y a des bébés qui viennent à la maison? Les bébés vont chez qui? Moi non? Bah si t'es plus grand. Ah t'es plus grand! Mais justement ils sont attirés par moi, genre parce que je suis gentil. Mais je sais cuisiner. À son jeune âge, je sais cuisiner. Moi aussi! Les ménages commencent bien à faire. Il a un bon truc pour les enfants. Mais toi, oui c'est vrai. Tu changes les couches puis tout là, mais yo, t'es trop. C'est trop de trucs pour eux. Non, je préfère. Moi, je suis enfantin, genre comme. Quand tu seras grand, tu seras enfantin. Ouais, comme. Je reste. Moi, je suis enfantin aussi. Hein? Qu'est-ce que des bébés? Quoi? Ok, non. Je fais pas ça quand il y a des bébés, ok. Mais tu vois, quand il y a des bébés, genre, je suis sweet, genre, tu vois, j'en ai joué. Tu vois? Des fois, t'es trop occupé. Donc, ton enfant, lui, pour qu'il s'en occupe, c'est bon, c'est pas, j'ai même pas besoin. C'est pas grave. D'accord. Prochaine question. Si t'as $1 million, ok, et tu te vois le partager entre un de nous deux, qui tu choisirais? Junior. Let's go. Junior, lui, il connaît plus ses trucs financiers, il va bien. Oh, mais moi, lui, c'est vrai. Tout c'est vrai. Va aller dans Fortnite. Je ne joue plus à Fortnite, je m'en fous tout. Première fois, j'ai ma paye, il m'a dit Trésor, fais-moi un peu d'argent. Je dis pourquoi? Il dit pour mon nouveau jeu là, de PS4. Voilà. Ça, c'est pour tout qui, ça, c'est différent. Tu vas prendre l'argent, tu vas tout dépenser dans ton pied, frère. Tu vas acheter des views. Voilà. Ouais, voilà. Au moins, c'est à moi que tu partages. J'approuve. T'as en plus? Faut très bien approuver. C'est bon. Troisième question, ok? Budget, au moins, on est au bord d'une rivière, ok? Et puis là, maintenant, tu peux juste sauver un des deux. Si tu me sauves lui, moi je tombe. Si tu me sauves moi, lui il tombe. Tu choisis qui? Fais attention à ta réponse. Tu choisis qui? Je suis obligée de répondre. Quoi? Je suis obligée de répondre. Est-ce qu'elle a des jokers ou non? Joker, quoi? C'est-à-dire quoi ça? Elle peut passer. Elle passe la réponse? Ou même un Joker, je sais pas moi. Il n'y a pas de Joker, juste réponds. Enfin, c'est la vidéo, c'est la question. Ah, non, je veux pas. Je veux pas. Joker. Pourquoi? Non, juste réponds. Alors, ne veux pas. On va dire, si tu réponds pas à lui, tu dois répondre à toutes les autres questions obligatoirement. Ouais. C'est ça, t'es sûr? T'es sûr? Non, mais il ne refait pas d'autres questions dans le même contexte. Comme exemple, si c'était genre, oh là c'est une falaise, tu peux suivre juste un des nôtres là, c'est la même chose, mais dans. Ok, t'inquiète. Ok. Donc tu peux y répondre. Alors, tu choisis nous deux, c'est ça? Oui, je choisis vous deux. Oh, elle peut pas, je veux dire qu'elle peut pas. Elle sauve un des deux, elle peut pas sauver nous mais deux. Mais elle trouve un moyen de nous sauver nous deux. Pas. Elle peut pas, dis-le, elle peut pas. Elle trouve un moyen. Elle te sauve toi, moi je tombe. Elle te sauve moi. Mais ça, moi, je tombe. Elle a dit Joker. C'est nager, non? Moi, tu tombes. C'est nager? Il y a des crocodiles dans la rivière. Crocodile. Il y a des crocodiles, ouais. Donc, le temps que tu sauves un, les crocodiles ont déjà monté le mur, ils l'ont déjà attrapé, tu vois. C'est moi, je te sauve toi. Mais les crocodiles vont me manger. Yo, y a quoi ici pour manger? Non, ils vont manger du mur. Rate mes murs. Ok, donc tu choisis aucun. Personne. Aucun. Okay. Ok, donc toute la prochaine question, tu vas y répondre. Hein. C'est pas toi ouais. Alors. Parce qu'il y en a pire. Ça c'était rien comparé à ce qui arrive. Pour braquer une bombe, tu choisirais qui? Bijou, il a l'air innocent, mais toi. T'as l'air de plus tu connais genre truc d'argent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, ils sont braqués moi. Tu as regardé quand c'est pas fait. Mais pas dans ce genre, mais genre tu vois les trucs de banque, tu connais bien les trucs là, les trucs financiers puis tout. Dans c'est vrai, jamais. C'est vrai. Mais okay. Lui, je pourrais le donner comme à part, comme il est suisse. Après, je te voulais. Ok. Je sais pas si c'est un compliment que tu. Mais lui, s'il est très intelligent, alors je pourrais le prendre lui. Mais toi, t'es intelligent financièrement. Ouais, on peut dire. Ouais. Pas de ouf, mais on peut dire. Ouais. Ouais. Ça fait combien 2-0 parce qu'elle a pris un. Elle a pris aussi une fois. Oh, ah, c'est 2-1. Ah non, c'est 2-1. Moi j'ai 2 talents. Ouais. Ok, voilà. Ok, la prochaine question est. Disons, il est 2h du matin, ok? Ouais. Et tu veux entrer à la maison, ok? T'appelles qui vient t'ouvrir la porte? Bijou. Toi? Pourquoi?
Comme on avait dit la dernière vidéo, tu es le chouchou de maman. Tu vas tout faire pour le nuire. Moi, je suis pas une poucave, moi, je vais aller à maman. T'es une poucave. Bon, lui, je niais, j'avais plus en poucave avant, tout ce qu'il parle. Non, mais moi, tu me poucave de vrai. Toi, je suis poucave jamais. Toi, c'est jamais. Je rentre à cause de mes tresses à 1h. Non, à minuit, je rentre. J'espère que tu dis, Julien va rien dire à maman. Je reçois un appel, maman, elle dit, oui, Julien m'a dit que tu rentres à 1h. Alors que personne, il n'y avait aucun adulte, c'était le seul, il aurait pu bien comme venir me laisser, c'était le seul, c'était le seul adulte dans la maison. Aucun adulte était là, donc j'aurais pu bien esquiver cette malencontre, mais non, il a décidé de me poucave. Alors que maman ne sait rien. Oh. Tu l'as quand même appelé, elle est en train de dormir en plus. Ok, ça s'appelle être un adulte, ok, ça s'appelle... Non, c'est okay, moi, okay. J'ai eu de poucave. Toi, comment ça je poucave? Julien, en fait, même mon devoir là. Non, j'ai le droit de pas le faire. On dirait un petit pourcentage. Maman, puis j'ai pas fait ça de vous. Tu te rappelles être responsable, c'est pas une poucave. On dirait que maman le récompense en tout cas. C'est ça, on dirait que le chouchou de la famille, je te dis. Et reviens encore sur une autre vidéo, c'est pas le chouchou. Je sais pas pourquoi vous m'emmenez sur ce chouchou. Non, c'est toi le chouchou. C'est toi le chouchou finalement, Bijou n'est plus le chouchou. Non, Bijou aussi le chouchou, mais t'es pire que lui. Je vais pas faire la différence entre être poucave et être un adulte responsable. Tu vois, adulte responsable, mais tu... Eux, il faut quelque chose, je dis à un moment, oh, t'es pour grave! Oh, t'es pour grave! On va pas l'exposer, sinon. Tu poses des commentaires si c'est pour grave, ça? Ça, c'est responsable! Yo, ma mère est pas là, je suis en sécurité, je peux bien rentrer. Il a tu fait ma mère. Du matin. Il a... Je devais faire mes tresses. Ok, mais je dois avertir la daronne. Je dois avertir la daronne qui est entrée à 1h du matin. Ok, t'aurais pu venir me chercher, je sais pas. Toi, tu peux pas faire tes devoirs? Tu peux pas faire tes devoirs? Je dis à un moment. Passons. Le nombre de choses que j'aurais pu faire, mais je l'ai pas fait parce qu'elle me dit non. Et moi aussi! Quand c'est moi, j'ai dit, je crie, maman, il me regarde comme ça. Hé, t'es comme ça, t'es une poucave. Mais quand c'est lui, mais qui peut faire ça? Bon. Tu peux aller en voyage avec un seul frère, tu sais qui? Lui. Let's go. C'est juste que j'ai pas envie de prendre soin de lui, tu vois. Je vais vivre en voyage sans, tu vois, prendre soin de quelqu'un. Donc toi, t'es vieux comme... Si on voyage ensemble, toi allais faire tes trucs de ton côté, il fait tout de mon côté. Mais genre, Bijou, j'ai l'impression que je dois prendre soin de lui quand comme il est jeune. Non, je suis pas jeune, j'ai grandi là. Attends, t'as 40 ans? Mais non, j'ai grandi. T'as 40 ans? Il fait genre, il a 18 ans là. Oh, en tout cas, donc pour l'instant c'est 4-2. Non, c'est 3. 3-3. 3-3. Là c'est 3-3. Ouais. Bref. Prochaine question. Et là c'est une question fictive, c'est pas réel, ok? Mais qui choisirais-tu pour enterrer un cadavre? Bijou, parce que toi, comme je dis, t'es un poucave. Oh, c'est vrai. Bijou, Bijou, je sais qu'il pourra me suivre ou... Je vais pas dire ça comme ça, mais Bijou, je peux faire confiance, celui-là. Mais moi, si tu peux faire confiance. Non. Oh! Tu peux faire confiance? Non. Alors, donc, quand il va aller voir la police. Oui, ma soeur! Non, t'abuses. Là, vous abusez. Peut-être que c'est comme tu pourrais faire ça, mais... Je dis en général, quand j'appelle Junior, c'est mon dernier... C'est vraiment mon dernier recours. Sinon, j'allais jamais appeler. J'arrête de reprendre tes numéros, je m'en fous. Ah, j'arrête de reprendre tes numéros. Ok, moi aussi, je vais pas prendre tes numéros. Le pire, c'est que quand je l'appelle elle répond pas. Mais quand elle m'appelle moi, moi je la réponds. Hein? C'est quoi? Hein? Elle bloque mon numéro, c'est qu'elle a dit. Oh, au revoir. Et si tu m'appelais maintenant, c'est fini. Junior, t'es où? Junior, t'as de l'argent? Quand j'appelle, c'est parce que je dis, appelle Junior et genre ça. Non, quand t'as des fois, il est à la maison. Tu m'appelles, yo Junior, vous êtes où? Yo Junior, t'as la clé? Ouais, parce que j'ai pas la clé, tu veux que je reste dehors? Ok, voilà, maintenant, essaie de m'appeler, maintenant, je ne réponds plus. C'est bon, j'ai vraiment la clé, j'ai pas besoin d'appeler, ouais. Waouh! J'appelle toujours, son numéro répond jamais. Ça dit toujours, c'est hors service. Non, mais des fois, ça répond. Ça répond jamais. Des fois, ça répond. Après 10-15 appels, ça répond. Quand je demande de l'appeler, ça répond. Après combien d'appels? Après un appel, parce qu'elle a le mode. Oui, la plupart du temps, mais c'est bon, là, c'est débloqué, ça va marcher, là. Donc, tu me bloquais? Oui, quand tu m'appelles trop, je bloque les gens. Mais c'était moi qui appelais. Bon, prochaine question. Si tu devais faire 1v1 au basket contre un de nous deux, et si tu gagnes, 1000 balles, tu joues contre qui? Bijou. Donc, je suis plus fort. Donc, je suis plus fort. Tu sais que tu vas pas contre moi. Non, pas forcément. Est-ce que tu vas pas contre moi? Je suis sûr à 100% que je gagne contre Bijou. Mais toi, je suis sûr à comme 95, 99. Non, toi, tu te mens toi-même. 95%. Tu te rappelles quand j'étais quoi, sauveux? T'as failli tomber, Trésor, rappelle-toi. Tu m'as coureuse. Trésor, rappelle-toi. Moi, je dis juste les infos. Tu m'as vraiment coureuse. J'étais pas sûre, tu te rappelles. Moi, c'est que tu vas pas me battre. Et tu montes 95%. En tout cas, 99%, t'as raison, je me suis trompée. Impossible, on joue pour moi, je la prouve. Je prouve deux, frère. Arrête de faire genre, tu joues sérieux.
je retrouve ma force d'avant. Regardez ça, regardez ça, frère. Regardez ça. Je retrouve ma force d'avant, frère. Personne ne me barre entre vous deux. Personne, vous deux. On les sait déjà. Pardon, pardon, pardon. Bon, donc là, tu prendrais lui. Mais c'est ça. Bon, ça veut dire que tu le bats. T'en dis quoi? Qu'est-ce que t'en dis? Yo, moi, ça ne me dérange pas. On va juste parler en game. Là, je vais jouer. Là, vous allez voir. Ok. Je vais jouer sérieusement et je vais la prendre d'une façon. T'as failli tomber, bro. Ras le sol. J'ai pas failli tomber. Oh! En fait, ras le sol. T'as failli tomber sur le sol. En plus, il y en a qui ont dit qu'ils veulent voir une vidéo où on joue 1v1. Ok. Donc là, je relève le défi. On va, ouais, c'est ça, on va le faire. Ils vont voir qui est le vrai fort parce que j'ai vu 2-3 personnes le dire dans les commentaires. Comme avant, j'avais juste dribblé, joué à défense. Maintenant, j'ai ajouté à choc. Là, je peux tout faire. Blablabla. Mais bon, on va faire la vidéo et puis on va. Ok. Vous allez le voir après. Je sais pas dans combien de temps, mais vous allez le voir. Like la vidéo, dites dans les commentaires bientôt si tu veux le voir bientôt. Ok. Prochaine question. Si on va dire un jour tu te maries, qui prends-tu pour homme d'honneur? Attends, c'est lui qui m'accompagne. L'homme d'honneur, c'est lui qui t'accompagne. Si tu te maries un jour, qui tu vas choisir comme homme d'honneur entre deux? Junior. Moi? Let's go. Parce que Bijou, je suis désolée, avec ces capillaires, je ne ferais pas. Ce ne serait pas sérieux. Tu parles de mariage, non, c'est dans quelques années, c'est dans longtemps. Je ne crois pas. J'aurai des talents, je suis sûre qu'il sera comme 1m70. Alors non, je ne vais pas prendre confiance. Non, je t'ai dit, beau. Je t'aime bien. Je vais faire 1m80 d'ici mes 18 ans. Ouh! Nice. Prochaine question. On va dire si un gâteau. Attends. Pourquoi tu parles comme si tu étais une présentation orale? Tu es devant la classe, là. Prochaine question. Bonjour, la classe. Juste parle à ma maman, frère. Juste, vas-y. Si on va dire un gars t'énerve, ok, qui prends-tu pour, on va dire, te protéger? Bichou aussi. Genre, comme je le dis, je crois pas qu'il va, il va pas vouloir se mêler des affaires des jeunes. Il va s'en foutre. Mais Bijou, il va m'aider. Même s'il est faible, mais j'ai confiance. C'est mieux devant frontière. Au pire, je m'en fous des hommes. Je peux me débrouiller moi seul. Ok, ok. Continue. Nice. Ok, c'est cool. En tout cas, si y a un souci, tu peux m'appeler. Hein. Après, tu vas transférer le souci à maman, tu comprends? Mais non, si c'est un souci avec un gars, t'as dit. Tu vas transférer à maman, je sais déjà. Maman, un gars dans ce maison? What? Ouais, je te vois venir. Hey, là, tu vas venir, sois sincère. Non, mais en vrai, il m'a déjà protégé à l'école. Hein. Mais pas protégé, mais. Si tu devais demander à un de nous deux de te préparer de la nourriture, tu choisirais qui? Vous connaissez la réponse? Bijou. Je sais cuisiner moi. Hein? J'ai jamais cuisiné à part les poulets. Les poulets étaient bons, mais. Poulet, pas... poutine. Quel poulet? Le poulet. Poutine. Attends. Ouais. Yo, trésor, le poulet, il a acheté ça déjà fait. Hein. C'est un poulet déjà fait. De quel poulet tu parles? Non. Le poulet qu'on met juste au four et c'est prêt. Non, et pas des ailes de poulet. Mais c'est moi qui ai fait presque tout. Qu'est-ce que tu dis, frère? L'assaisonnement et tout, là, c'est moi qui l'ai fait. Non, j'ai assaisonné. C'est moi qui ai cuit et tu m'aidais juste à cause du feu, c'est tout. Mais c'est le poulet qu'on a fait là? Oui. On l'a fait ensemble, c'est moi qui l'ai fait précisément. Mais qui donnait les assaisonnements? Enough. Ah, ok, c'est bon. Là, j'ai cuisiné moi aussi. C'est moi le meilleur, j'ai cuisiné, mais Bijou a pu m'aider. J'ai cuisiné la poutine et tout ça là. Je fais comme... La poutine, c'est moi qui ai initié ça. C'est moi qui ai initié. Tu fais des frites, tu prends du fromage et tu fais la sauce aussi, tout. C'est moi qui ai initié ça de toute façon, alors. Vous avez d'autres questions ou pas? Non. D'autres idées de questions? Non. Donc voilà pour la vidéo. Okay. Like. Je pense que c'est lui qui a gagné. Non, c'est moi qui ai gagné. C'est moi qui ai le. C'est moi qui ai gagné, c'est sûr. Non, je pense que c'est moi. Tu vas revoir pendant que tu vas. J'ai gagné. J'ai gagné. Les commentaires. Je pense que j'ai eu genre 8 et t'as eu genre 4. Okay. Bon, voilà pour la vidéo. Like. Abonne-toi si tu veux déjà faire. Dis quelque chose. Oui, abonnez-vous. Abonnez-vous, likez. Peace. C'est d'accord, peace. Ok, bon. Allez, c'est fini. Faut y aller maintenant. Peace and love. Oh. Peace pour une nouvelle vidéo. On vous a forcé ou pas? Bon. Voilà pour la vidéo. Like. Abonne-toi, c'est pour vous déjà fait. Peace pour l'autre vidéo, les gars. C'est comme ça que je parle. Bon, peace. Bon, c'est bon. Allez, peace. Bon, non, juste peace. Allez, peace.